là, il y a un jeune après, on va dire de passer ça. Parce que là, il est hyper lourd. Pas encore, non. Non, parce qu'il faut que je range par caisse, je sors des caisses et tout. Donc là, c'est bon. Merci. Comment tu as choisi les ingrédients avec toutes ces écritures en cyrillique? J'ai choisi les ingrédients avec l'aide de Sergueï, qui est notre russe à bord du bateau. Donc il est venu m'accompagner et puis il m'a aidé à sélectionner les produits. Et puis on a passé donc commande au supermarché de ces produits. Il y avait tout ce que tu voulais? Il y avait tout ce que je voulais, j'avais un petit peu des doutes sur la quantité. Et puis finalement, trois jours plus tard, ils ont tout trouvé, donc c'était parfait. Tu sais comment Doudinka est réapprovisionnée en nourriture? Apparemment, tout vient par bateau. Donc voilà, donc il y a ce qu'on trouve actuellement, parce qu'il n'y aura pas de prochain bateau, arrivée de bateau d'ici notre départ. Donc il faut faire avec vraiment les produits qu'on trouve sur place. Et là, c'est un stock pour combien de jours et combien de personnes? Alors, on est 14 personnes à bord. Et là, en fait, je fais un stock pour on va dire le plus longtemps possible, pour environ 3 mois, 3 mois et demi de nourriture. Alors pour le frais, ça va être un petit peu compliqué. Surtout que les produits qui arrivent ici sont déjà assez avancés, puisqu'on est dans un coin reculé. Donc ils arrivent déjà de la plupart d'Amérique du Sud, par exemple. Donc on va essayer de les faire durer le plus longtemps possible, mais je pense pas que dans 2 mois il y a encore beaucoup de produits frais. Et à Pévec, tu penses qu'il y aura possibilité de faire un ravitaillement? À Pévec, je pense que ça va être encore plus compliqué qu'ici, parce que c'est encore plus reculé et encore plus petit comme ville. Et ensuite pour la partie canadienne, ça va être aussi assez compliqué.